Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on sent un peu l'idée de la musculation, mais pas trop. On va échanger autour du petit collègue. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on m'en a tellement parlé, on m'a tellement vanté ses mérites sur divers aspects que j'ai voulu le tester et particulièrement sur ses bénéfices sur la santé sexuelle de celui qui l'utilise. Alors, faut savoir que le petit cola est très utilisé et la plupart du temps l'associe au traitement d'une faiblesse sexuelle. Mais en réalité, le petit cola est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Ce petit noix-là que vous voyez est très bon pour faciliter la digestion. Il est également très bon pour faciliter l'éveil au cours de la journée. Disons, lorsque vous le prenez au petit matin, vous gardez vos sens en éveil tout au long de la journée. Et si le soir vous désirez rester en éveil pendant plus longtemps, il est possible d'en consommer parce qu'il peut jouer le rôle du café. Ça contient de la caféine, voilà. Et ça vous maintient en éveil très longtemps. Il est aussi très utilisé pour le traitement des plaies au niveau de la bouche, par exemple. Alors, sur la sexualité de celui qui le consomme, il a plusieurs effets. Il favorise par exemple la montée de la testostérone. On bénéficie d'un meilleur taux de testostérone lorsqu'on en consomme régulièrement. Selon plusieurs croyances et plusieurs utilisateurs, il est très bon à consommer lorsqu'on veut traiter une dysfonction au niveau du sexe. Et particulièrement sur ce point, on recommande par exemple de consommer un petit noix de cola au matin, au réveil, après avoir brossé les dents par exemple. L'idée c'est d'en consommer un à jeun. Mais ce n'est pas la seule manière de consommer le petit cola. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je l'ai fait, je l'ai testé. Je te dirai mes ressentis à la consommation et quelques temps après la consommation, ce qui s'est passé dans mon organisme. Je te partagerai mon expérience avec le petit cola. Alors, l'autre manière de consommer le petit cola, ça va être de l'utiliser avec du miel et de le combiner avec du gingembre, un petit peu de gingembre par exemple. Pour, tu vois, certaines personnes ont tendance à, si tu n'es pas habitué, tu vas te dire que c'est super amer. Non, c'est pas que tu vas te dire c'est super amer pour une première utilisation, parce qu'il faut mâcher, il faut mâcher. Et pour atténuer ce goût-là, tu peux le combiner avec du miel et du gingembre. D'autres personnes l'utilisent avec de l'ail, par exemple. En fait, ça va être le mélange miel, gingembre, petit cola et ail. Mais nous, dans cette vidéo, on va se contenter du miel, du gingembre et du petit cola. Alors, on passe d'abord à la préparation. Ensuite, je te dirai mes ressentis par rapport à la consommation du petit cola.
à la consommation, quels ont été mes ressentis? Déjà, le miel, en fait, n'atténue que quelque peu le côté amer du petit cola. Parce qu'en fait, on pourrait penser qu'il faut avaler le mélange entier pour profiter des bienfaits du petit cola, mais non. L'idée, en fait, c'est qu'il faut le mâcher les éléments qu'on a mélangés ensemble pour tirer toute la sève, hein, tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Et à ce niveau, le miel ne vient atténuer qu'un tout petit peu le caractère amer, le goût amer du petit cola. Mais bon, on va essayer de ne pas se focaliser sur le goût du petit cola, mais penser en fait à tous ces avantages là dont on pourra profiter. Et quand on fait ça, ça passe beaucoup mieux. Bon, après consommation, qu'est-ce que j'ai ressenti? Déjà, après consommation, rien de particulier sur le champ. Parce que la plupart des contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on partage en fait, que la croyance aussi nous partage, c'est qu'avant l'acte sexuel, il faudrait consommer ce mélange-là une heure entre 30 et une heure avant l'acte. Et ouais, ça marche. Ça améliore en fait l'endurance sexuelle. Voilà. Mais il faut également préciser que le petit cola n'est qu'un accompagnateur. Ce n'est qu'un accompagnateur, ce n'est pas en fait un élément magique qui viendra améliorer du jour au lendemain. Puisque vous le prenez une fois, ça va améliorer du coup votre endurance sexuelle. Votre performance sexuelle va essentiellement dépendre de la qualité de votre hygiène de vie. C'est essentiellement ça. Vous devez faire un check-in sur tout ce que vous mangez, sur votre alimentation. Vous devriez également avoir une activité sportive à mener, parce que l'acte sexuel, en fait, c'est de l'endurance. Et vous n'espérez pas avoir de l'endurance du jour au lendemain sans pratiquer, sans vous préparer au préalable. Du coup, on fait un point sur l'alimentation, sur une activité sportive et sur votre hygiène de vie globale. L'idée ici, c'est d'éliminer tout ce qui pourrait vous stresser, tout ce qui pourrait être cause de stress pour bénéficier d'une certaine paix intérieure pour une meilleure vie sexuelle. Et sur les points de l'alimentation et de l'activité sportive, tu peux parcourir notre chaîne, en fait, voir les vidéos que nous avons proposées sur cet aspect, sur ces aspects plutôt, pour t'entraîner à la maison ou en salle de gym. Mais quoi qu'il en soit, ce serait tellement bénéfique de consommer un petit noix de cola au petit matin à jeun chaque jour pour profiter en fait de tous ces bienfaits. Alors, je voudrais également préciser en fait que moi, ma consommation, je l'ai prise aux environs de 15h, 16h. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, j'ai eu du mal à fermer l'œil. Du coup, privilégiez une prise au petit matin, ou si vous le prenez dans l'après-midi ou le soir, n'espérez pas trouver le sommeil très rapidement. Ça va être un peu compliqué si vous n'êtes pas habitué à sa prise. Donc voilà le petit détail que je voudrais ajouter. Si tu viens de nous découvrir à travers cette vidéo et que ce type de contenu te plaît particulièrement, je t'invite à liker la vidéo et à la commenter, à nous donner tes impressions si tu l'as déjà essayé ou pas. Partage-nous ton expérience. Je vais tester d'autres remèdes et te partager en fait mes ressentis, te faire un retour d'expérience. Et si tu es nouveau sur la chaîne, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne d'abord et en activant toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui viendront. Allez, on reste focus.